Yo, salut à tous et bienvenue sur le live, j'espère que vous allez bien. Donc, on va faire du Forza aujourd'hui, j'ai décidé. Alors, le live, je lance tard, ouais, j'ai pris ma petite journée tranquille. Ce matin, mon fils est parti pour aller passer Noël chez sa mère. Donc, voilà, je me suis endormi parce que je me suis levé tôt. J'ai fait une petite sieste et puis, me revoilà, quoi. Voilà. Bon, j'ai dit, on va aller faire du Forza. Donc pour ceci, il faut mettre Forza. Alors, nous connaissons tous Forza, ça va être long à mettre en route. Ce son va gueuler, ça va vous éclater les oreilles. Attendez, j'ai mal réglé ma fenêtre de chat. Hop, voilà. Le chat, je le mets là, le chat. Hop. Oui, on aime, voilà. Bref. Voilà, c'est bien quand la musique est... Quand la musique est diminue. J'ai pas fait ça. Ça me rend ouf ça, l'optimisation de PC, les conneries comme ça, les shaders sur Call of aussi, ça me rend dingue. Je m'étire un peu les gens. Hop là. Voilà. Bon, optimisation du PC 43%, vous le voyez comme moi. Quoi que je sais pas, non, vous l'avez peut-être pas, non, vous l'avez pas sur le live. Vous n'avez pas le pourcentage en bas d'optimisation du PC. Il y en a pas, que vous l'ayez. Je le vois pas sur le retour, donc c'est qu'à mon avis, vous ne l'avez pas. Vous pouvez pas compatir à mon désarroi, alors ne voyez pas ce qui se passe. Ah, 99%, on est bon. On est bon, on est con. Et c'est parti, mon loulou. Mais non, toujours pas. On fait optimisation du PC, mais. Ouais, mais comment ça se fait que l'image n'est pas bonne là? Attendez, il y a un truc qui va pas là. L'image n'est pas bonne, c'est. Ouais, mais c'est casse-couille, hein, alors. Autant que sur la présentation, vous êtes en tel. En fait, il prend pas les réglages
du jeu dès le début, quoi. En fait, il vous met ses réglages à lui, et après, il met vos réglages. Donc, du coup, la capture d'écran, elle bug, quoi. Super, génial, j'adore. Vraiment devenu la merde sur OBS, quoi. Avant, putain, tu touchais rien, tu mettais la bonne résolution, ça mettait tout seul, mais là, maintenant, chaque jeu, faut régler. Oh putain, il est sous de ma gueule le jeu ou quoi? Il veut pas charger. Ouais, on s'en fout de ta vie. Ravi de vous revoir, Benjamin. Alors, j'ai deux trésors de grange à récupérer. 0 à 100 en 3 secondes 6. Demande à Jay de t'emmener sur les épreuves de drague. Mais t'étonne pas si personne veut t'affronter. Est mou du cul le jeu aujourd'hui, putain. Qu'est-ce qu'elle est belle. Carrément! Moteur V6 et poste de pilotage centraux, 66 cm de débattement pour les suspensions. Avec toi au volant, je te garantis que ça va faire trembler tout le Mexique. Alors, hop, on va changer de voiture, j'ai pas envie de rouler avec celle-là. J'ai envie de rouler avec la Supra. J'ai envie de rouler avec la Supra, elle est où? Pouf, 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 pouf. Alors, Toyota Supra, voilà. J'ai envie de rouler avec celle-là. J'ai envie de rouler avec celle-là. La, 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 la. Ah oui, collection de voitures, on n'oublie pas. Voilà, hop. Chargement qui fait toujours plaisir. Vous êtes en avance, mais la prochaine épreuve Horizon Arcade va bientôt commencer. Dans 10 minutes, mon ami, hein, 10 minutes. Hein. Je sais pas pourquoi il me casse les burnes avec ça. J'ai rien de débloqué, tu me les brises. Hein. Ça, on s'en fout. Alors, centre de message. Ah, c'est de l'actu, on s'en bat les couilles. Hein. Encore, ils nous ont envoyé une voiture. On n'aura rien dit, quoi. Allez, 100 000 boules, ça fait plaisir. 40 000 boules, ça fait toujours plaisir. Commencez. Alors, on s'était arrêté là au truc de merde là. Qui nous a cassé les couilles, pas les photos, mais l'autre là. Putain, il est où là? Il est là, ça là. On s'est arrêté ici. Hé, hey, salut! On a une nouvelle scène de cascade à tourner! Passe quand tu peux! Amusez-vous bien. Dans 100 mètres, tournez à droite. Êtes en avance. Horizon Arcade commencera bientôt. Allez, bon, on va aller chercher le cadeau. Hein. Prenez le virage serré à gauche.
calcul de l'itinéraire. J'espère qu'on va réussir à monter, les gars. Vous avez atteint votre destination. Salut, Corey. Comment est-ce? Elle va pas monter, elle va pas monter, elle va pas monter. Pas monter. Je savais qu'on aurait dû prendre un 4x4. C'est pas grave, on va prendre un 4x4. On va nous ramener sur la route. D'ailleurs, hop, voilà. Ça ou quoi? Bon, j'ai l'impression qu'il y a une perte de FPS. Je vais regarder mes réglages après. C'est les optimisations PC. Eh, ça va, je te remercie, ça va. Alors, il est où le truc là? Il est là, il est ici. Le GPS, ils disent ce qu'ils veulent. C'est moi qui décide. Je suis le pilote. Alors, c'est quoi ce cadeau? Découvrez ce cadeau. Vas-y, quand tu veux, tu ouvres la grange, tu mets le cadeau, c'est quand tu veux. Tu l'as retrouvé? J'arrive tout de suite. Caisse de Noël, les gars. C'est généreux. C'est dans l'esprit d'Horizon, non? Est-ce qu'on envoie des remerciements? Non, on s'en fout des remerciements. Oh, une Jeep. Une Jeep Willis. On m'envoie un message quand même, merci. Mais je t'enverrai rien. Moi, je vais regarder sur mon retour, là, s'il y a des... Non, je ne veux pas envoyer de cadeaux, moi. Je reçois les cadeaux, je les envoie pas, moi. Je suis une crevale, moi. Je n'envoie pas de cadeaux. Bon, alors là... C'est par là. Youhou ! Alors... C'est pourtant bien parti. Mais ça s'est mal passé. Faites demi-tour dès que possible. Ah, attendez, parce que je vois pas la destination. Elle est où, là? Elle est derrière, là. Sûr que ça va mal se passer. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Mais non, j'allais m'en sortir. Faites demi-tour dès que possible.
je ne respecte pas. Dans 200 ça. Mètres, prenez le virage serré à gauche. Dans 100 mètres, tournez à gauche. Il y a la maison, il y a la maison. Hop là. Nouveau calcul de l'itinéraire. Ah, je vais prendre cette petite route que j'ai pas encore découvert. Dès que possible. Bah, comme ça, on va compléter celle de droite. Regardez le retour, regardez tout l'écran. Dans 200 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Dans 400 mètres, tournez à droite. Oh, elle est longue, cette route de merde. Tournez à droite. Mais où c'est ? Putain, elle est là-bas, cette destination. Ça y est, je l'ai vu. Je l'ai vu, je la lâche plus. Tournez à gauche. Ah, j'ai l'impression qu'il y a des pertes de FPS, là. J'aime pas ça. Voyons ce qui m'a foutu lui. Je suis sûr qu'il m'a changé les. Il m'a changé des trucs quoi. Eh oui. On va mettre en 1920 par 1080. Eh oui. Eh oui, c'était obligé ça. Oh le jeu, putain, il me fait chier aujourd'hui les gars, le jeu. Oh, il est en PLS quoi. Chargement du début et PLS le truc. Ah, bien sûr, sauvegarder. Putain. Ah, je suis énervé là. Le jeu, il a foutu les nerfs la dernière fois. Normalement, il n'y aura plus de. Normalement, ça va aller mieux. Dans 400 mètres, tournez à droite. Je vous jure, ils me saoulent avec leur mise à jour là. J'ai pas fait une mise à jour, mais arrête de toucher les paramètres du jeu, quoi. Voilà, excusez-moi, hein, c'est vraiment. Des fois, ça me sort par les yeux leur mise à jour. Hein. Parce que j'ai une mise à jour carte graphique hier, donc forcément. Demi-tour dès que possible. Mais non, c'est tout droit. Oh, à ce moment, il y avait un arbre. Dans votre jardin, ça vous dérange pas. Bien sûr, là, vous avez. Hop, dégage.
Oh, je la sens bien cette petite bosse là. De travers. Mais non, derrière la bouchée là. C'est pas grave, on s'en sort les gars. Ah, moi je vous emmène en terre sauvage direct. Par contre là-bas il y a l'air d'avoir de la ville. Dans 400 mètres, tournez à droite. Une maison. Tournez à droite. Dans 400 mètres, tournez à gauche. Dans 100 mètres, tournez à droite. Hop, on fait comme si c'était fait exprès, c'est pas voulu. Atteint votre destination. Putain, celle-là, c'est laquelle? Destruction du transmetteur. Montée. Ah oui, mais celle-là, pourquoi j'ai 2 étoiles? Non. J'accepte pas, je veux 3 étoiles. C'est laquelle pour qu'on ait fait 2 étoiles? Ah, je sais, je crois savoir c'est quoi. Putain, le jeu aujourd'hui il veut pas. Hein. Je vous jure que s'il continue à me casser les burnes comme ça, le jeu, on va partir sur autre chose. Tiens. Les 2 as de l'illusion, la main dans le sac. J'arrive pas à croire que je n'ai pas reconnu ton style plutôt. 3 heures de chargement plus 2 heures de papotage. Tu tombes bien. Qu'est-ce que tu dis de ce mannequin que m'ont fait les accessoiristes? Hyper réaliste! Laisse tomber, Franky. C'est une super idée. Mais si tu ne veux pas que Victor comprenne, tu vas avoir besoin de moi. C'est sympa de t'avoir à mes côtés, Mike. Oh, mais tu parles! Quelle surprise! Allez, en voiture, on a un saut à exécuter. Ah, c'est le saut. Il y a pas ici le saut? Étrange. 743, saut volcanique spatio-temporel. Action! Mike, t'as bien dit saut. Ah non, c'est vrai, je voulais le refaire. Ne fiche pas de moi, j'ai vu la cérémonie d'ouverture. Vas-y à fond jusqu'au sommet. Ce véhicule de cascade est un modèle Mike Steel, avec moteur et suspension revue. Ça aide d'avoir un vrai pilote au volant. J'ai entendu. J'ai pas réussi. Je pense qu'il faut que je reprenne plus d'élan, je pense, à mon avis. Et voilà! Beau travail, Franky! Génial! Beau travail! Mais ça reste entre nous, hein, ok? Pas la peine d'en parler à Victor. Allez, mais non, c'est de la merde, mon grand. C'est de la merde. Ça fait 2 étoiles, me dis pas super, génial, cool, c'est top. De la merde. Je pense qu'il faut que je prenne un peu plus d'élan dans le virage, dans le dernier virage, et enfin dans l'avant-dernier. Ma chicane, il faut que je coupe le virage, faut que j'anticipe. 743, saut volcanique spatio-temporel. Action! Mike, t'as bien dit saut
bien dit saut volcanique. Te fiche pas de moi, j'ai vu la cérémonie d'ouverture. Vas-y à fond jusqu'au sommet. Ce véhicule de cascade est un modèle Mike Steel, avec moteur et suspension revue. Bon sang, ça aide d'avoir un vrai pilote au volant. J'ai entendu. C'est impossible à faire, son putain de saut de merde. Putain. Salut Fabienne, ça va et quoi? Et voilà! Bon travail, Francky! Génial, bon travail! Mais ça reste entre nous, hein, ok? Pas la peine d'en parler à Victor. Tu me frustres avec tes bons travaux. Putain, mais attends, tu fous de ma gueule ou quoi? Oh, il va me saouler, on va passer à autre chose. Je tenterai pas la suite tant que j'aurai pas les 3 étoiles, donc on va passer à autre chose après, hein, je pense. Allez, ça va ou quoi? Putain, il me frustre, là, mec. Ah, bien joué, c'était génial, c'était super. 43, son volcanique spatio-temporel. Avec 2 étoiles sur 3. Mike, t'as bien dit saut volcanique? Te fiche pas de moi, j'ai vu la cérémonie d'ouverture. Vas-y à fond jusqu'au sommet. Ce véhicule de cascade est un modèle Mike Steel, avec moteur et suspension revue. Bon sang, ça aide d'avoir un vrai pilote au volant. J'ai entendu. C'est presque, hein. Je vais retenter une fois et puis après et sinon voilà, on va passer sur autre chose. Hein. Bon travail, Francky. Génial, bon travail. Il contrôle une demi molly et content. Ouais, je suis pas content. Bon. Ouais, je réessaye une esbrouf. Je réessaye. Il faut que j'arrive en fait. Il faudrait que j'arrive en face de la ligne droite et que je prenne vraiment la route. Mais sinon on va abandonner. Je vais pas passer à la suite tant que j'ai pas les 3 étoiles donc. 743, saut volcanique spatio-temporel. Action! On était presque, on a eu un peu plus dit, de distance que d'habitude. Volcanique. On va tenter une dernière fois. J'ai vu la cérémonie d'ouverture. Vas-y à fond jusqu'au sommet. Ce véhicule de cascade est un modèle Mike Steel avec moteur et suspension revue. Bon sang, ça aide d'avoir un vrai pilote au volant. J'ai entendu. Je passe par là.
j'avais pas la bonne vitesse. Allez, merci, 42 points de fer. Si tu réagis comme ça, putain de panique, tu m'énerves. Tu m'énerves. Putain, le rocher m'a énervé là. Donc on arrive à plus de 200, de toute façon à 200. On va pas y arriver, on n'avait pas la bonne vitesse. Francky, oh, il dit, génial, beau travail. Nique-toi avec ta mission de merde, là. Pas la peine d'en parler à Victor. La voiture Max Steel, c'est de la merde. Voilà. Faut qu'on se casse, on va faire des courses. Voilà. Voilà, je lui dis, je t'emmerde avec ta course de merde. Non, mais elle est pas assez boostée, sa caisse. C'est pas possible, quoi. De la gueule du monde. On se casse, on va te faire un couloir. On va trouver une course parce que lui, ça y est, lui, il m'a chauffé, il m'a un peu énervé. Je suis un rageux. Hein. Mais je l'emmerde avec sa course. Course de merde. Tiens, je vais aller faire celle-là, elle m'appelle celle-là. Faites demi-tour dès que possible. Là, elle va où la course? Elle est par là. Ok. Nouveau calcul de l'itinéraire. Allez, putain, 4-4. Voilà. Quelle idée de mettre la bouchée. Attendez, je vais mettre les sons des moteurs un peu moins fort quand même. Alors, audio, volume. Volume voiture, on va le baisser un peu. On va le mettre à 50. Normalement, ça devrait le faire. Dans 400 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Faites demi-tour dès que possible. Dans 400 mètres, tournez à droite. Faites demi-tour dès que possible. Qu'est-ce qui me dit le GPS? Je suis arrivé. J'ai assez points défilés. On fait ça pour faire du point, donc
Bon, allez, parti. On va faire cette course. Qu'est-ce que je vais prendre comme voiture pour faire celle-là? Je vais prendre l'escorte, tiens. L'escorte pour faire cette course. Pardon. Bon, je vous dis, hein, on n'est pas à l'abri de faire le, de faire un autre jeu après et tout. Hein. C'est un petit stream tranquille avant Noël. Je sais pas demain si je vais en faire, certainement. Je vais voir. Mais on n'est pas à l'abri. Là, c'est un stream, on s'en fout, il n'y a pas de ligne directrice. Voilà. Perdu un rétro. Bah toi, ce qui m'a toujours rendu ouf dans Forza, c'est vraiment les temps de chargement. Bah, je vais voir prochainement là, dès que je pourrai, j'achèterai un boîtier d'acquisition vidéo. J'essaierai de vous stream de la Xbox. Hein. Je pense que je pourrais balancer plus de qualité sur la Xbox. Parce que là, en l'occurrence, la carte graphique, faut qu'elle gère le jeu, faut qu'elle gère le stream. Je pense que ça peut être mieux. Alors. Putain, il m'emmène toujours à Perpète, là où c'est qu'il n'y a pas de course, quoi. Ça me rend ouf, quoi.
je vais aller par là. Voilà. Faites demi-tour dès que possible. Dans 200 mètres, tournez à droite. Tournez à droite ici. Nouveau calcul de l'itinéraire. Dans 200 mètres, tournez à gauche. Ouais, je vais suivre la route cette fois. Dans 200 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Aujourd'hui, je me sens d'humeur à faire les petits panneaux. Voilà. Dans 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Bon, ça va, vous? Il y a les fibres pour se nouer. Dans 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Il y a un petit bout de route qui est très bien là. Je sais pas si j'ai déjà découvert cette route, mais je crois. Je vais la suivre quand même. Il me semble avoir quelque chose à trouver dans la scène. Ouais, j'ai déjà vu. Bien sûr, je perce. Demi-tour dès que possible. Dans 400 mètres, vous arriverez à destination. Vous avez atteint votre destination. Alors le Porsche Macan était bien, mais il n'est pas boosté, donc j'ai peur de me faire chier avec. Hein. Je le prendrais bien parce qu'il était agréable à conduire, mais je vais continuer sur la Ford Escort. Je crois que je vais booster un peu le Porsche Macan. Pour l'instant, j'ai pratiquement pas boost de voiture, rien du tout quoi.
C'est terminé. Hop là. Ouais, je vois sur le retour. C'est quand même plus fluide. J'ai changé la résolution de ce con avec la mise à jour de la carte graphique. Là, il doit croire que la mise à jour c'est une nouvelle carte graphique, quoi. Ah, c'est dommage, j'aurais bien testé sur Xbox, mais le problème c'est que mon boîtier d'acquisition que j'ai est pas top. Alors il fait vite du 1920, mais il fait que, je crois qu'il fait que 30 FPS. Donc faut que ça soit du 60 FPS. Un petit peu de poussière, j'aime pas ça. En fait, t'as le temps de te refroidir, t'as pas le temps de te chauffer sur le jeu, quoi. Le chargement te refroidit direct, quoi. Voilà, comme par hasard, il nous emmène à côté d'une course qu'on a déjà faite. J'aurais pas été marrant sinon. Je sais pas, si je booste la voiture, je vais atterrir tellement loin, ça me casse les biomes. Mais je vais le faire. J'ai envie de rouler le...
Non, mais ils sont sérieux avec leur récompense de ça. Oh là 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 là, c'est de la merde. Je vais booster le Porsche Macan, parce que j'ai bien envie de le conduire un peu de temps en temps. Je vais le booster. Pouf, garage, mes voitures. OP, c'est le Porsche, il est où? Là. Je vais booster le Porsche Macan. Boucher. Pourquoi je dis boucher? Amélioration et réglage, voilà. Amélioration perso. Il n'y a pas un ticket de carrosserie, non, je crois pas. Non. Ouais. Allez, c'est parti. Un max en tout terrain, quoi. Ça va, je perds pas trop en tout terrain. Je suis en baisse, mais je perds en tenue de route et en tout terrain. Donc ouais, là, je descends trop, quoi. Je peux installer ça. Je descends trop. Pas faire une voiture de route, hein. Je veux faire une voiture de tout terrain. Alors là c'est pareil, les freins, je comprends pas que ça te fasse par contre que ça fasse bouger la comment dire la tenue de route, quoi. Les freins, c'est voilà, ça sert à rien. Je perds mon tenue de route en tout terrain. J'en garde quand même parce que c'est la base, c'est pour aller faire du tout terrain. Non, paf. S'en fout pour l'instant. Donc, le kit Forza qui est horrible. Ça devait gagner, ça te fait monter un petit peu. Ah, on va le mettre. Qu'est-ce que. Alors là, j'ai peur. Là, attention, les gars, on est au summum du tuning. Putain. Oh non, sérieux, je peux pas mettre ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Désolé, mais je peux pas. Je peux pas. Conversion, c'est quoi ça? Modification, vous pouvez changer la transmission de votre voiture pour modifier sa conduite à réduction de poids, cependant, possède ses propres modifications. Et, ok, on s'en bat les couilles. Tac, 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 installer les réglages. Yop, salut Yonoops, comment ça va? Bon, on n'a pas tout changé parce que je veux pas qu'il y ait perte trop en tenue de route et en tout terrain, vu que c'est la base, c'est ce qu'on va faire. J'aimerais bien lui faire un peu de peinture. On va voir ce qu'il nous propose dans les livrets. Trouver une nouvelle création. On va voir si un petit truc sympa. Ouh, j'aime bien ce petit vert là. Y a rien qui m'enchante, hein. Y a rien qui m'enchante. Celui-là est sympa, mais celui-là, à la rigueur, il est sympa. Stormtrooper, le mec, il s'est pas fait chier. Le mec, il a fait une peinture blanche, il l'a appelé Stormtrooper. Mais ça va, je te remercie. Ça va très bien. Oh, la honte quand même.
J'aurais dû le laisser en noir, je vais vendre le. Je vais. Enfin, je vais proposer le livret, je vais l'appeler Dark Vador. Ah, le con. Oula. Oula. Ouais, elle est jolie comme ça. Bon, laisse-moi deviner, je me suis éloigné de ma course. Eh oui, évidemment. Donc, on va pouvoir aller le tester. Faites de le tour dès que possible. Il a 25. On va le tester dans la montagne. Nouveau calcul de l'itinéraire. Dans 200 mètres, prenez le virage serré à gauche. Ce qui est plus, il se peut qu'avec les améliorations, ce soit plus assez agréable avec les gens. Moi, ça a l'air d'aller, quoi. Donc, quoi de neuf, Yonut, ça? Commencer à préparer ton petit réveillon et tout. Attends, on parle de la structure du terrain là qui est dégueulasse. Déjà, il monte, hein. Il galère, mais il monte. Dans 200 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Dans 100 mètres, tournez à droite. Ouais, je pense qu'il va faire le café. Je pense qu'il va faire le café. On va le tester direct. Vous avez atteint votre destination. On va voir si les améliorations ont niqué le. Le bien-être dans la conduite. Il est beau le livret, franchement il est beau le mec. Il est assuré, franchement il est beau. Il est beau. Grand jeu, j'ai à lui. Magnifique ce petit livret pour la voiture. J'ai vu des ailerons Forza là sur les trucs. Là, on bouge, hein, on bouge tout le monde, on se met tout le monde. Putain, quelle horreur ces béquets Forza là. Ce n'est pas des béquets, c'est des ailerons. Ils ont tous, hein, sur la voiture. J'ai raté mon virage. Je dois avouer qu'il tombe pas par contre. C'est dommage. Super agréable à conduire, mais il tourne pas. Peut-être que je lâche en glisse pour prendre des virages. Beaucoup de freins en main. Hein.
Attends. Il faut faire beaucoup de freins à main pour le faire partir du cul avant le virage. Parce que chiant, c'est dans les freins à main, c'est qu'on perd du temps, quoi. On se fera rattraper. Mais ça va, il reste plus qu'à la conduire. Non, j'ai raté le point de contrôle. On va faire un transfert de masse hein, avec lui. Ou oh, masse, ça se transfère pas. Bon, ça va les loulous sur le live. Bah voilà, prochaine course, je vais m'absenter 2 minutes, je vais aller me faire un café les gars. Encore ? Même les Mexicains disent... On va aller faire celle-là. Je vous abandonne juste 2 minutes. Je vais faire mon Ils café. J'ai jamais vu plus rapide que toi sur Terre. C'est pas rien. Donnez-moi le téléphone.
celui-là, les loulous. Ma chérie, on a perdu une personne, le temps que je fasse mon café. Bon, je vais faire un café. Ah putain, j'en ai plein le cul du démarche sur mobile. Hein. Pff, les gars, je vous jure, j'en ai plein le cul. Quoi. Prochain renouvellement de mobile, je vais demander un changement de numéro. Ça, j'en ai marre. Pas trop là-bas. Pas les rochers, s'il te plaît. Pas les rochers. Putain. J'avais pas envie de casser la voiture tout de suite. Quoi. Je vais faire le petit crochet de route là que j'ai pas découvert. Dans 400 mètres, vous arriverez à destination. Ah, franchement, ça m'insupporte, les gars. Le démarchage par téléphone, sur téléphone, je ne supporte pas ça. Dans 400 mètres, vous arriverez à destination. D'ailleurs, je vais en profiter. J'ai mon téléphone, je vais bloquer le numéro. Excusez-moi, ça me gonfle. Alors, information, bloquer ce correspondant, paf. Voilà. Ça me fera plus chier. Alors, je respecte, hein, je sais que les gens qui appellent, ils sont pas choix, hein, c'est leur boulot, ils doivent appeler, mais franchement, j'en peux plus, quoi. Bon, est-ce qu'on prend encore... Non, je vais prendre la... Je vais prendre celle-là. Je peux pas, c'est ma voiture de cœur, ça. Bah oui, mon petit gars, faut pas te mettre vraiment comme ça. Oh, j'adore ce style de course. Hop là, le petit dépassement passant sur Furious. Je partis en cacahuète là. Les gens, je vais vous parler d'un truc pendant la course. Hein. Non. Ah, parce qu'on est là, on parle pas du jeu vidéo, donc c'est quand même le jeu vidéo. Ah, si vous êtes là, si vous aimez ça. Hier, j'ai regardé le film Resident Evil. Mais ils ont tué le truc. Ils ont massacré Resident Evil. Autant la série avec Miguel Jovovich, j'ai du mal, désolé, Miguel Pael, voilà, c'est, on restait dans le thème, c'était cool, ça suivait pas forcément, l'histoire, c'était pas un copier-coller du jeu, quoi, même si il suivait bien l'histoire. Alors là, ce nouveau Resident Evil,
autant tous les endroits, le scénario, c'est vraiment, ils ont suivi le scénar du 1 et du 2. Mais autant pour... Déjà les acteurs. Quand on prend Léon, est-ce qu'il lui dit, dès que j'ai vu sa tête, j'ai fait non, c'est pas possible, ils nous ont pas fait ça. Quoi. Rien à voir du tout, ils auraient pu au moins prendre quelqu'un de ressemblant. Bon, on sait que dans l'histoire de Resident Evil, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à les faire, hein, depuis le premier. On sait que Leon S. Kennedy, c'est quand même un jeune flic. Voilà. C'est quand même un jeune flic. Mais là, le mec, il... Le mec, c'est... Je parle pas de l'acteur. Hein. Je parle vraiment du personnage. Il n'en fait nul os. Bon, à la fin, il est badass. Il sort son lance-roquette et tout. Mais franchement... Et pourtant, il y a de très bons acteurs dedans. Il y a des bons acteurs dedans, donc... Mais franchement, il en fait trop... trop bené, Léon. Franchement, il en fait trop bené. Mec qui picole, qui machin... Et pourtant, je trouve qu'il y avait, il y avait du potentiel avec les acteurs. Mais je pense qu'ils ont tué le truc, quoi. Je pense qu'ils se sont dit, on va faire un scénar, on va copier, faire copier-coller du 1 et du 2 sur le jeu, quoi. Et on va balancer ça. Ils ont balancé ça, c'est une merde. Franchement, c'est une merde, c'est une bouse. J'ai pas du tout aimé. Je me suis fait chier tout le long du film. Je me suis fait chier, quoi. Voilà, je tenais à le dire, voilà, je me suis fait chier sur ce Resident Evil, c'est là. Et franchement, c'est dur, hein. c'est dur. J'ai mal à la licence, là, franchement. Oh putain, la classe. On a vraiment les tirages de merde. Donc ouais, j'ai eu mal à mon Resident Evil, c'est quoi ça? Expédition Guanajuato. Ça, c'est une grosse course, on va aller la faire. Donc voilà, donc très déçu. Bon, bah, je sais quand il va sortir, il va aller dans la collection parce que je suis un pigeon, je suis fan de Resident Evil, j'adore. Comme je suis un pigeon, je sais qu'il ira forcément dans la collection de Blu-ray. Mais franchement, ils ont tué le truc. Bon, je sais pas, dites-moi si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé, hein, vous trouvez. Mais franchement, pour moi, ils ont tué Resident Evil, quoi. J'adore cette décélération. Vous avez atteint votre destination.
ça que je voulais faire. Et ouais, pour moi, ils ont tué le game. Il y a vraiment l'ambiance, il y a vraiment le manoir, le poste de police, mais ils sont pas assez attardés dessus. Ils ont voulu vraiment mixer le 1 et le 2. Alors je pense qu'ils auraient dû faire un copier-coller de l'histoire du 1 déjà. Puis après, Ramiro, jolie caisse. C'est quoi ce bug? Je dois impressionner mes amis. Alors je me suis dit que le plus efficace, c'était de battre une superstar d'Horizon chez moi. Le premier à la basilique gagne. Et donc, elle refait. Et donc, ouais, pour moi, ils auraient... Non, mais c'est allez, grave, quoi. C'est parti. Qu'est-ce qu'elles ont, les textures alors, du jeu, aujourd'hui? Y a des amateurs de courses de rue par ici? C'est possible. J'étais encore gamin quand j'ai appris... Oh non, me dis pas que le jeu est la bonne. ...pris à conduire avec ma mère et mes oncles. Je touchais à peine les pédales. Voilà, non. Yo Avatar, ça va ou quoi? Enfin bon, on dit que le pilote de rue le plus redouté de tout le Mexique est originaire de Guanajuato. Ah ouais, c'est full buggé. Ah bon vraiment? Ouais, c'est vrai. On dit qu'il a jamais autant, perdu c'est une course. Fait ça avant-hier. Il viendra peut-être faire un tour à Horizon. Ça allait, mis à part le crash, mais... Et est-ce que ce pilote redoutable a un chargement, nom les textures, c'est plusieurs n'importe même quoi. On l'appelle El Jefe, El Perón, El Guapo, El Valiente. C'est, j'y sais, c'est bien fait. Si t'arrives à me battre en ouais, ville. Vraiment full bugade hein, aujourd'hui. Dégueulasse, regardez comment c'est pixelisé à mort. Regardez. On arrive à Guanajuato. Attends de voir la ville de nuit. Oh, on s'en rend bien compte là, regardez, dans la fumée là, on se rend bien compte que c'est full buggette quoi. Bon alors là, si tu crois que tu vas passer mon pote. Bienvenue à Guanajuato, fief de la Familia Miron, la plus belle ville du Mexique. Son nom signifie la colline aux grenouilles. On a la version NES. Ça fait pas très... On va avoir la version Mega Drive ouais, de Forza. C'est ça. Dégage c'est parce toi, que t'as jamais putain, vu grenouille lancer à fond. Qui a mis un café ici? Braque? Ah, désolé. Pas de problème. Les tunnels ont non, été... Non mais t'es sérieux, putain. Enculé de mate. Ah, con qui te pousse, quoi. Oh mais le mec, il est en trois viols, putain de d'IA de merde aussi sur Forza. Pas du Destruction Derby, hein. Hey Ramiro, ah, jolie caisse. C'est revenu à la normale ici. Je dois peut-être impressionner mes amis. Alors je me suis dit que le plus efficace, c'était de battre une superstar aussi, d'Horizon chez moi. Le premier à la basilique gagne. Désolé, hein, je recommence, mais là il m'a sérieusement gonflé quoi le mec. Allez, c'est parti. Alors, là, c'est y a des amateurs de courses de rue par ici. C'est pixelisé. C'est quoi. Possible. J'étais encore gamin quand j'ai appris à conduire avec ma mère. Et bienvenue sur la version 16 bits de Forza Horizon 5. Vous aimez les jeux rétro? Pas de problème. Enfin bon, on dit que le pilote de rue le plus redouté de tout le Mexique est originaire de Guanajuato. Ah bon? Vraiment? Tiens, attends, ouais, je vais aller vrai. En deux secondes ton message. Tu sais que tu peux mettre... 60 FPS. Je... Bah ouais, mais normalement j'ai pas de problème. On dit qu'il a jamais perdu une course. C'est la première fois. Il viendra peut-être faire un tour à Horizon. Et est-ce que ce c'est pilote redoutable a un nom? J'ai ça, non? Plusieurs même. On l'appelle El Jefe, El Perón, El Guapo, El Valiente. Ah, attendez, je vais tester un truc. Putain, mais non, pas Cortana. Je t'emmerde, Cortana. Tu sers à rien, Cortana. C'est juste un gadget. Nvidia. Je vais regarder le truc. Est-ce qu'il va me le lancer?
je ne me réveillais. Dans l'œil. Si. Ah, pardon. Ouais, c'est le jeu hein, qui est fou, le bug. Tu le rencontreras peut-être parce que là, un jour. Je suis très, t'arrives bien, à me battre en ville. J'ai des réglages comme d'hab, quoi. Mais en fait, c'est qu'aujourd'hui, hein, Avatar. Donc, depuis que j'ai lancé le jeu, j'ai des bugs. On arrive à Guanar, Watto. Attends de voir j'ai la ville bugs. De nuit. Je pense que c'est la mise à jour de la configuration qui s'est mal passée, quoi. Tu connais, tu sais, dès qu'il y a une mise à jour carte graphique. Aussi bien Forza que Call of, ils font des shaders, des machins. Fief de la familia Miron, la, jour, elle, la plus belle ville du Mexique. Regarde, son nom signifie la colline aux grenouilles. Ça fait pas très course de rue. Ouais, c'est ils ça. Ils ont fait genre une course c'est qu'on parce peut que pas t'as gagner, vu c'est grenouille ça quoi. Lancée à fond. Qui a mis un café ici? Rack? Rack? Ah, désolé. Pas de problème. Les tunnels ont été construits pour éviter les inondations, mais ils sont parfaits pour El Refe et les pilotes du coin. Oh, et fais gaffe au trafic. Il y a parfois du monde dans les rues. Apparemment, les pilotes trouvent que ça pimente la compétition. Enfin, c'est ce qu'on dit. Bon, tu vas pas me dire qu'ils nous ont fait une course, c'est que le mec, il va mal retirer sur la ligne d'arrivée. C'est tellement bidon, c'est scripté, ça. C'est scripted. C'est la dernière ligne droite. La basilique est tout près, maintenant. J'aimerais bien qu'elle réfait nous voir. Putain. Oh, mais il nous voit. Allez, fonce vers la ligne d'arrivée. Ah, c'est scripted, les gars. C'est scripted, je te reconnais, ça. Ouais, bah ouais, il n'y a qu'aujourd'hui, hein. J'ai jamais eu un souci sur Forza. Moi, j'y joue pas tous les jours non plus. Mais là, en fait, il m'a fait la mise à jour des comment dire, de l'optimisation PC. La basilique collégiale de Notre-Dame de Guanajuato. Les pilotes viennent ici pour demander à Notre-Dame de les bénir. Écoute, je vais essayer de contacter El Refe. Il paraît qu'il est très strict, mais s'il estime que t'as le niveau pour rejoindre les courses de rue, alors peut-être... Ramiro, je sais que c'est toi. Ouais, j'ai pas fait gaffe, je savais que j'ai fait la maison. Bienvenue fait, allez, viens, je vais te présenter mes amis. Bon, maintenant que tu connais mon grand secret, il faut que je te montre un truc. Suis-moi. On va où maintenant? À l'extérieur de la ville, à une rencontre de pilotes. Mais ta famille est au courant pour El Refe? Tu rigoles! Mon père m'en voudrait à mort, et mon oncle Carlos me proposerait une course avant chaque repas de famille. Mais là, c'est dégueulasse. C'est difficile de garder une course de rue secrète, maintenant. Il va falloir que tu montres à ces pilotes comment ça marche. Ils ont jamais participé à aucun festival. Je sais qu'ils apprendront vite. Leçon numéro 1, donner au public ce qu'il veut. Et que veut le public? Quelqu'un prêt à briser les règles. On a de la compagnie. Voilà mes amis. Quand on a débuté ces courses, on était juste des là, gamins au volant de Vocho. Depuis, les pilotes, les moteurs, les fêtes, disons que tout a pris de l'ampleur. Ça fait mal à mes petits yeux. Désolé pour tous ces mystères. C'était sympa de revenir ici sous ma véritable identité pour une fois. C'était cool. Merci de m'avoir fait visiter ta ville, Ramiro. Pas de problème, camarade. Bienvenue à Horizon Street. Il est tellement bon ce jeu que c'est tellement dommage ce petit bug graphique que j'ai aujourd'hui. Ouh. Ouf, ouf, ouf. Petite skyline à l'ancienne. Ça, ça fait plaisir, ça. Bienvenue à Horizon Street Scene. Tout est officiel et prêt à accueillir du public. De toute façon, on le voit, il y a des scintillements dans les lumières et tout ça, donc ouais. Bah, je suis en 1920 par 1080, justement. C'est ce que je mets d'habitude, parce que sinon, ma carte graphique... J'ai organisé des courses de rue dans tout le Mexique.
Je veux pas te mettre la pression, si mais il y a beaucoup de pilotes de rue qui veulent t'affronter. Le problème, c'est que si je mets en 2000... Ouais, mais... Mais on s'en fout, tais-toi. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Bah, tu vois, j'ai des bugs, quoi. Le problème, c'est que si je mets plus haut, le stream, il va se mettre à laguer, quoi. Les pilotes arrivent en masse à Horizon Street Scene, même si c'est nettement moins underground qu'avant. Leur dis pas, hein. Ils tiennent à leur réputation. Salut Benjamin. J'ai des lags et tout ça. On a des aventures à planifier. T'es pas encore au temple de la renommée, des fois, tu sais. J'appuie 50 fois sur le bouton. J'imagine que Jay veut simplement te montrer sa nouvelle voiture. Mais le problème, c'est que si mais j'ai reçu quelques appels anonymes à son sujet. Il va laguer, quoi. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Paf, paf, paf. Ouais, j'ai augmenté la réseau et baissé les graphismes. Ouais, peut-être, je vais voir. Je vais mettre en 2560 et je vais baisser les graphismes, on va voir. Ça, on va mettre en intermédiaire. Je vais baisser ça et on va voir si ça lag. Ah ouais, mais il m'a changé tout. Qualité des shaders en élevé. Ah ouais, mais il m'a tout changé en fait. En fait, il m'a vraiment changé tous mes paramètres, quoi. Redémarrer maintenant. On va redémarrer le jeu, les gars. On va voir ce que ça donne. Hop. Bon, attention vos oreilles, les gars. Tant que j'ai pas chargé les paramètres. On va voir ce que ça donne, hein, de toute façon. Bah, je vais le voir tout de suite. De toute façon, je vais afficher mon retour. Je vais le voir. En fait, ma carte graphique, là, peine. Si je mets en 2560, normalement, il y a de la perte de FPS. Donc, je vais le voir direct. Je vais mettre mon retour pour vérifier. Hop là. T'as raison, peut-être que j'aurais pas... Peut-être que j'aurais peut-être pas les pertes de FPS si je baisse la résolution, enfin si je baisse les paramètres graphiques. On va voir. Donc là, je suis en train de réfléchir, les gars. Bon, pas tout de suite, hein, je vous le dis tout de suite, parce que là, avec mes 500 boules par mois, ça va pas être possible. Mais je vais voir, peut-être je vais passer sur un double PC de stream d'ici quelques mois. Vraiment, d'ici plusieurs mois, hein, le temps que je puisse investir. Parce qu'en fait, à la base, je voulais mettre une 3070 minimum dedans. Parce que j'ai une bonne config, mais la carte graphique, franchement, c'est une 2070, c'est une 8Go, donc RAM à mort. Mais je vais peut-être passer sur un double PC... le stream. Bon allez, on va voir si ça... Ravi de vous revoir, Benjamin. On va voir ce que ça donne. Bah oui, forcément, il m'a changé la résolution, donc faut que je change la... Faut que je change sur OBS, quoi. C'était tellement mieux avant OBS, donc putain, maintenant, faut rechanger la résolution, faut rechanger le cadre et tout, hein. Putain, voilà. Hein? Alors, hop, on va se prendre une petite course que j'ai pas faite. Putain, il y a toujours que des courses que j'ai fait dans cet endroit-là, vers ma maison. Là, j'ai tout fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait par ici? Bah, je vais mettre ça. Je vais mettre celle-là. Thank you.
C'est vrai que c'est tellement beau de se priver de la résolution de 2560. Pour le stream, il n'y a pas trop de choix. Dans 400 mètres, prenez le virage serré à gauche. Dans 200 mètres, tournez à droite. Ça a l'air d'aller, ça a l'air d'être fluide. Tournez à droite. Ouais, ça a l'air d'être fluide. Dans 400 mètres, tournez à gauche. Attends, hop là. Salut, ça va? J'ai un message qui demande si tu veux jouer avec lui sur GTA, un gang juif. Bon, écoute, on va voir. Mais c'est bon, Christophe, j'ai vu ton message, bordel de merde, Christophe! Arrête de mettre tes messages en avant! Je rigole. Bah écoute, je vais voir, je vais en discuter avec lui, pourquoi pas. Bon, ça va, ça a l'air d'être fluide là cette fois, Avatar. Ça va. Ah, il y a un petit. Il y a une petite perte de FPS, j'ai l'impression. Ouh, je suis passé par-dessus le mur. Oh putain, con. Nouveau calcul de l'itinéraire. Dans 200 mètres. Ouais, c'est tournez bon, à gauche. Je vais voir ça, Christophe. Je lui ai envoyé un message tout à l'heure. Après le live, je lui ai envoyé un message et je vais voir ça avec lui. Faites demi-tour. Pourquoi c'est pas, ça possible. Peut être intéressant. J'aime bien. J'ai bien aimé jouer avec Brock et puis. On va voir. Dans 400 mètres, tournez à droite. Ouais, j'ai pas envie de stallonner entre les arbres. Hein. Tournez à droite. Dans 400 mètres. Tournez à gauche. Hop là, on évite les arbres, bien sûr. Tournez à gauche. Ok, bah vas-y, je verrai ça, je lui enverrai un message après mon live. Vous avez atteint votre destination. Qu'est-ce qu'on va prendre? Putain, j'ai envie de prendre la Mustang, mais elle va glisser à mort. On est fou, on le fait. On prend la Mustang, ça va glisser à mort. Mais c'est à mort, on s'en fout, c'est le bon jeu. Comme dirait ZZ, quand ça glisse, j'aime bien. Ça marche, Avatar. Je sais que je vais galérer à la piloter, mais elle est tellement belle la Mustang. Je suis libéré le pot d'échappement, je jure. Non, je déconne les gars, pas vous enflammer. Mais en fait, c'est la même chose. Ah non. Gagnon là maintenant, vas-y, me fais pas chier toi. Je fais ce que je veux, tu me fais penser aux démarcheurs au téléphone. Bon, déjà, dès le démarrage, je dors. Je sais que je vais galérer avec ça. Une petite F40 devant. Je vais refaire le tuer à la F40. Par contre, celle-là glisse à mort, les gars.
Ah, je fais des petits drifts pour le beau jeu, quoi. Je sais que je prends des risques à faire des drifts, mais j'en ai tant qu'à faire. Hop, je vais éteindre mon retour, parce que sinon le téléphone n'aurait pu avoir de batterie au bout de 5 minutes. Ah, c'est un iPhone, les gars. Je sais même plus où c'est que j'en étais là. Putain, il m'a emmené à perpète, quoi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une partie de la carte, comme ça on va éviter de se perdre. Donc je vais aller faire celle-là. Je vais aller faire celle-là. Dans 400 mètres. Prenez le virage serré à gauche. Prenez le virage serré à gauche. Dans 400 mètres, tournez à gauche. Qu'est-ce que j'ai hâte aussi, les gars, c'est le nouveau test drive au niveau tellement. Parce que j'ai hâte qu'il sorte. Faites demi-tour dès que possible. Allez, c'est parti. Pou. La Subaru, va falloir que je la monte aussi parce qu'elle est en B, c'est pas le top. Sur celle-là, je vais prendre l'escorte sur celle-là.
hop, on se place pour l'aspiration. Le frôler le truc de checkpoint qui les a forcés. Voilà, c'est ça qu'on aime, les petits chemins boueux, les gars, les petits chemins boueux. C'est ça qu'on aime, bordel de merde. Encore un podium? Si tu passes une... Ouais, mon pote, qu'est-ce que tu crois? On était dans cette zone-là, mais bon, il y a pas mal. Où j'ai dit que j'allais faire le bas de la map. Hein. Donc, je vais faire celle-là. Une minute de plus sur la scène du festival, ils vont te demander de jouer les DJ. On va finir le petit bout de route, ouais. Panneau exprès là. Évidemment, elle était rouge. Faites demi-tour dès que possible. Ça, c'est un arbre. Vous avez atteint votre destination. Je reconnais, il a voulu se la péter devant moi, lui.
Hein, je reconnais. En plus, la cartouche est devant moi. Bon. Ah, c'est vrai qu'il y a GNR S4. Putain, j'ai des voitures, je ne savais même pas. Je ne me rappelais même plus la Z06. Bon, là, on va. Ouais, forcément, on va choisir celle-là. Hein. En tout cas, c'est cool. C'est vrai que j'avais pas pensé, en tout cas. Merci, Avatar. Hein. Parce que là, ça change la vie, quand même. C'était dégueulasse, les bugs, là. Et les gars, faut pas faire la course, hein, si vous avez des voitures à pédales. Même blague, hein. Toutes les voitures ont des pédales. Hein. Là, voilà, on rattrape, contrôle les gars. Comme je savais qu'il allait se mettre devant. J'aurais dû prendre une voiture parce que c'est pas du tout terrain là. On aurait fait le taf. Hein. Là, j'ai quand même la fumée pixelisée. Hein. Regardez, elle est quand même pixelisée la fumée. C'est dégueulasse. Oh putain, j'ai complètement foiré le virage. Oh la vache. Heureusement que j'avais pris un peu d'avance. De faire le coup. Ils sont pas loin derrière quand même. Ils arrivent stylés comme ça. En fait, c'est leur fumée qui est bugué. Peut-être que j'avais jamais fait gaffe auparavant, mais c'est dégueulasse. Voilà, vous avez vu, hein, je suis en 2560, donc là. Il n'y a pas de raison, quoi. Au final, on va rester sur Forza, les gars, je crois. Ouais, je sais que la course va m'emmener loin des autres courses. Salut, Benjamin. Tu es dans la dernière. Ah non, ça c'est course de drague, j'y comprends rien, c'est... j'ai l'impression que c'est des trucs, ça se finit jamais ça. Là, normalement, ici, j'ai fait toutes les courses, là j'ai fait... Donc ici, j'ai pas tout fait, voilà. On va faire ça. Dernière ligne droite, ton nom restera gravé dans l'histoire du Temple de la Renommée. Félicitations. Je
dans 100 mètres, tournez à droite. Faites demi-tour dès que possible. Bah quand j'ai un petit bout de route comme ça qui manque, je fais le passage. Dans 400 mètres, tournez à droite. Je sais que c'est une connerie ce que je vais, hein. Je vais au droit des emmerdes, au droit dans les emmerdes avec les arbres. Nouveau calcul de l'itinéraire. On va essayer de le faire. On va passer. Destination. Allez, c'est parti. Ouais, je vais aller. J'ai bien envie de tester le SVR. Je vais tester le SVR, je l'ai pas encore testé. Ça se trouve, je vais m'en mordre les doigts pendant la course, mais bon, je vais le tester. Oui, ça va quoi? Comment ça va, mon petit Oui? On n'a jamais piloté celui-là. Ça a l'air de faire le taf. Il glisse pas mal, mais prend bien. Pour l'instant, ça va. Si, ça va très bien. Ça va très bien, mon petit. Ça va très bien. Hein. Ah, peut-être un peu de fatigue. Enfin, je change de rythme un petit peu là.
Ouais, c'est vraiment ça. Tout va bien. Ouais, j'ai pas mal de fatigue en ce moment. Mais bon, ça va, regarde, je trouve que le plaisir de jouer à autre chose que Conan, quoi. Sur quel jeu? Ah, moi en ce moment Conan, en fait je joue pas trop parce que... Ah, tu parles de Forza? Ah, moi je kiffe, Mais là ouais, je fais un peu moins de Conan parce que... Après je vais me faire chier si je tryhard trop. Normalement je vais faire que de me faire chier. Donc. Faut que je reprenne le plaisir de faire plusieurs jeux. Quoi. Parce que je sais que Conan c'est comme Ark. Si je me mets dessus, je me lâche plus. C'est bon. Ouais, de toute façon, je te dis. Après, quand on a un message à 40 balles, dès qu'il peut ou pas, tu changes de métier. Il est vraiment excellent à 40 balles. Bref. Bah non, comme là j'ai bien construit sur Conan. Puis bon, j'ai tryhard quand même hein, la construction là ces derniers temps là. Mais ça me manque aussi de jouer à d'autres jeux. Allô, j'ai pratiquement pas joué en plus, putain, j'adore en plus, je le kiffe. Hein. Je retrouve vraiment des sensations de des anciens. C'est ça le problème hein, quand on aime les jeux. C'est difficile de se limiter quoi. Ah bah ouais, mais Caramba et Oz ils sont excellents. Hein. Mais ça a été passé chez moi. Oula. Mais pourquoi j'ai plus... Il me donne pas le choix de l'autre escorte, là. Je vais prendre l'escorte. Ouais, t'es passé voir chez moi. Et j'ai encore du taf hein, chez moi. Ne serait-ce que pour la maison, il y a quelques finitions que j'ai à faire et tout. Ma tour, normalement, elle est finie.
Je crois qu'il manque un mur que j'ai pas réussi à remettre, que je remette. Mais là, je pense que la prochaine fois que je vais venir sur Conan, là, je vais faire 2-3 trucs, mais je vais aller refaire des boss et tout ça. Parce que là, je suis full construction ces derniers temps. Hop, merci pour le virage. Yo Laurent, ça va ou quoi? Excellente cette pièce. Vraiment excellent. Je pense pas, j'ai pas vu. Pas vu forcément. Parce qu'en fait, quand il te met les scores, il te met toujours les scores de celui qui est juste avant toi, quoi. Ah, il est général. J'ai raté le dérapage de fin. Ça coûte des bichards. Mais je te croise hein, dans les avatars. Hein. Tu vois, t'es là en 7e position. Heavy share. Bah tu vois les avatars, mais quand tu découvres une route, il va te mettre un pseudo aléatoire. Donc ça va. Et tout de suite, ça critique. Le pilote, la voiture est bonne, mais le pilote. Le pilote, c'est un nightmare. Ok. Faites demi-tour dès que possible. Regarde, je te montre. Regarde-moi ça. Hop là. Dans 200 mètres. Ça, c'est la maîtrise. Ça, c'est la maîtrise. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, regarde, hop, anticipation, hop là, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est la maîtrise. Ça, c'est la maîtrise. Voilà. Je vais me faire le petit panneau là. Voilà, dans 400 mètres, tournez à droite. À droite. Voilà, t'as vu ça, c'est la maîtrise. Hein.
des enfoirés ou c'est qu'ils ont mis le panneau. Hop là, hop là. Même pas touché le chariot. Dans 400 mètres, je suis un pilote. Il y a hop là, ras du poteau, qu'est-ce qu'il y a? Ah ça, le mec qu'on a croisé, ça aurait pu être toi, Evie. Le mec qui conduit n'importe comment. Hop là, on prend une glissade, le panneau, qu'est-ce qu'il y a? Hop là, bon, on a perdu un peu le contrôle, mais ça ne va pas. Vous avez atteint votre destination. Toi, je suis sûr qu'avec ta petite voiture hybride, là, tu conduis comme un papy et tout, t'es là. Ah, 25% accélérateur. Je dis pas que tu conduis pas bien, mais... Là, en fait, on parle pas de conduite, là, on parle de pilotage, tu vois. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Hein. Je suis sûr que Laurent me contredira pas. Hein. Là, on n'est pas dans la conduite, on est dans du pilotage, là, tu vois. Là, on est des levels au-dessus, Evie, quand même. Sport sur ta voiture, hein? Oula, oula, oula. Petit cul qui s'est levé là, c'était pas bon. C'était pas bon pour les affaires. Tête à queue du numéro 1. Il n'a pas dit son dernier mot, genre de c'est pour ça. Ah son top, mais putain qu'est-ce que tu peux vite partir en couille. Petite erreur du numéro 1, Nightmare, mais il revient. Il n'a plus le temps. Mais non, ce petit soit la con les gars, ce petit soit la con. Ah c'est à toi. À cause de toi, Evie. En fait, il y a ce tout petit saut de l'arrière qui m'a fait briller. Vraiment que j'arrête de penser vitesse sur ce genre de course. Donc il ne faut pas que j'hésite à observer des freins.
Et c'est ça qui est cool justement, c'est vraiment la moindre petite bosse a des conséquences quoi. Et c'est ça qu'on aime quoi. Et celui-là tout le temps. Hein. Tout le temps le petit tête à queue sur celui-là. Extrême, voilà, c'est celui-là qu'il faut pas rater, celui-là. Je vais te lire, t'inquiète pas. Je finis la course et je te lis. Voilà, c'est un final. Ça sera trop tard. Alors, ça sert. Alors, à quoi ça sert? Ah, à part consommer les trucs qui viennent de se 105 secondes pour moi, je suis sérieux. S'en fout de la consommation. S'en fout de la couche d'ozone, bordel de merde. S'en fout de la couche d'ozone. Bref. Ah, en électrique, forcément, tu as des bonnes perfs hein, en électrique. En électrique, tu as la puissance directe. Les trucs, c'est le seul truc que j'admets sur l'électrique, c'est que tu as la puissance directe. Voilà. Mais je n'aime pas l'électrique. Mais par contre, ouais, tu as la puissance directe. Ah, ce vieux lag là, il est tout pété sur le truc là. Donc on en était où cette zone là, on l'avait torché, donc on était dans cette zone là normalement. Celle-là on l'a torché, celle-là on l'a torché. J'ai envie de tester celle-là, allez on va tester celle-là. En fait, c'est pas que t'avances plus vite en électrique, c'est que surtout t'as la puissance directe, t'as la puissance qui est là vraiment directe tout de suite. Tu fous de ma gueule, toi ? Ouais, donc toi. Faites demi-tour dès que possible. T'as la puissance qui est là directe. Dans 400 mètres, tournez à gauche. Bon là je sens que c'est, je sais que ça va mal se passer là déjà. À travers les arbres comme ça, ça peut que mal se passer. Nouveau calcul de l'itinéraire. Dans 400 mètres, tournez à droite. Tout, ouais, démarrage, tu vois, même au niveau, je sais pas droite. Si on va pouvoir parler de reprise, quoi, parce que c'est linéaire,
un moteur électrique, quoi. Mais entre des rapports, tu vas pas avoir ce, voilà, cette petite latence. Là-dessus l'électrique et après les performances sont là quand même voilà. Vous avez atteint votre destination. Les perfs sont au rendez-vous sur électrique et tout ça. Ouais, sur les toits, ouais. Ce qui est top aussi, c'est les panneaux au-dessus des avions, quoi. Les panneaux au-dessus des avions, c'est vraiment top. Hein. Ouais, mais c'est ça, c'est t'as pas de vitesse en fait, c'est du linéaire. C'est marrant. De tous les pilotes et amateurs de sensations fortes que j'ai rencontrés, ce sont les plus cinglés. Qui l'eût cru ? T'as intérêt à te préparer. Après, c'est pas plus mal, hein. C'est bien, justement. Moi, ce que je peux vraiment pas, c'est au niveau du bruit, tu vois, un bruit dans les enceintes comme ils ont fait chez Peugeot, je pourrais pas, quoi. Donc, ils ont fait ça pour la 308 GTI. En fait, la 308 GTI, c'est un... C'est pas un son naturel. En fait, le bruit, c'est dans les enceintes. Quoi. Puis bon, ça reste coûteux, hein, le truc quand même. Après c'est vrai que moi je suis un vieux con. Là, sur les toits c'est chaud, hein, c'est chaud. Faut trouver le bon saut, faut bien gérer. Si t'arrives trop vite, tu passes au-dessus, si t'arrives pas assez vite, tu craches dans le truc. Là, je me rappelle des panneaux sur les avions aussi. Peut-être qui sait, peut-être qu'un jour j'y viendrai. Hein. Là, j'étais pas du tout pour une boîte automatique, en fait, je me rends compte du confort que c'est. Quoi. Ne serait-ce que dans les bouchons, le confort de pas devoir passer ta première, tu vas jouer avec mon embrayage parce que ça avance pas. Ouais, les hybrides Avatar. Pour moi, les hybrides, pour l'instant, c'est dans les films de science-fiction. Tu vois, genre humanoïde et tout ça, quoi. Ouais. Belle victoire, bon boulot. Tu devrais les laisser tranquilles un moment. Ils n'ont pas l'habitude de perdre.
Je te mets au défi de participer à toutes les courses de cross-country d'Horizon Mexico. CTSV. En piste. Ça, c'est beau. Ça. Sérieusement, fais-le. Ça c'est mieux plus comme on l'aime. Bon, après, il va falloir que j'aille chercher des clubs, donc je vais pas tarder à arrêter. Je pense que je vais prendre je vais prendre la DS, je vais pas prendre ma voiture aujourd'hui. Donc je pense qu'on va arrêter là tranquillement, pépère. J'avoue que j'ai la flemme de sortir, mais bon, faut y aller. Ce qui fait éplucher, c'est d'aller me garer quoi. Je vais aller au petit tabac que j'ai été la dernière fois. Quoi, comme tu me diras, non, il y a Carrefour, je suis con. Il y a Carrefour juste à côté, je vais y aller. Je vais voir à quelle heure il ferme. Alors, tabac. Tabac autour de moi. Jusqu'à 20h, normalement, c'est. Normalement, ça doit être celui-là. Waouh! Les deux dernières aventures. Tu prends laquelle? On tira pile ou face? Ah, oh, cette musique à l'ambiance, les gars. C'est ce que disait Ramiro. Oh, voilà. Je vais lui donner le feu vert pour le marathon. On va s'arrêter là. Hein. C'est où pour revenir au bureau? Voilà, c'est là. Paf, 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 paf. Tac, 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 voilà. On va s'arrêter là, tranquillement, pour aujourd'hui. Pif, Cortana s'est mise en route, j'en ai rien à foutre. Elle sert à rien, Cortana, les gars. Franchement. Qui utilise Cortana sur Windows? Personne. Personne n'utilise. Elle sert à rien, Cortana. C'est donc, voilà. Bon, bah, écoutez, on verra. Je commence à me faire matière de cette. Ouais, bah, vas-y, hein. Bosse, Evie, bordel. Putain, au boulot, là. T'as tapé un petit rapport avant la fin, tu vois. Bon, bah, je vous fais des bisous, en tout cas. Et puis, je sais pas, demain, ça sera la surprise. J'ai peut-être. Je sais pas si je ferai du Conan sur le prochain stream. De toute façon, ça sera soit Conan, soit Halo ou Call of. Il y a peut-être des chances qu'on parte sur Halo parce que j'ai envie de continuer Halo. Mais bon, c'est chaud hein, tout faire. Donc aujourd'hui, ça aurait été un petit stream parce que j'ai pas mal dormi. Et puis voilà, donc j'ai dit tiens, je vais passer une petite journée smoothie, je vais lancer le live tard, tant pis, c'est pas grave, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher des clopes, et puis après je vais aller m'entretenir avec Brock là pour ce qu'il me propose, pour voir avec lui, puis voilà. Bon bah je vous fais des gros bisous, et puis on se retrouve peut-être demain, certainement, on va voir. Donc soit pour du Halo, pour du Conan, ou pour du Call of, voilà. Bon bah peut-être ce soir, hein, je serai sur Conan, voilà. En tout cas, merci d'être passé, merci à tous, merci Avatar. Bon bah à toi, merci Evie. Oui, ça va, je fais ce que je veux, Evie, hein. Voilà, pas parce que t'aimes pas Halo, ou que t'aimes pas Call of, hein. On se calme, on se détend, d'accord, mon petit Evie. Bon, ben voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Et je vous laisse sur cette belle musique de Zardoz. Ciao.